Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul achat dans deux boutiques. Alors, c'est pas grand-chose, mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous partager. Alors, je vais là, ces trucs DIY que je vais mettre de côté. Et là, j'ai commandé sur la forme créative juste une chose, hein, c'était une perforatrice. Voilà. Hop. Perforatrice comme ceci. Je vais enlever ça. Voilà. Parce que j'ai vraiment besoin. J'avais pas de perforatrice pour arrondir. Voilà, ça va donner ceci. Voilà. Parce que la mienne, elle se casse tout le temps. Alors, je l'ai pas là. Mais je vous mettrai. C'est avec la planche qu'on. Ah, comment on appelle ça? Dommage que je ne l'ai pas gardée, sinon je vous l'aurais montré. Mais franchement, elle se casse tout le temps. Ça fait 3 fois que j'en achète une. Elle casse. Alors cette fois-ci, j'ai pris celle-ci. J'espère qu'elle est bien. Je vais juste ouvrir. Hop. Est-ce que je vais arriver à ouvrir? Alors on va juste ouvrir avec le ciseau. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en barre d'infos, hein. Voilà, oh, elle a l'air pas mal. Le petit capuchon. Ouais, c'est pas mal ça. Ah non, elle s'ouvre que d'un côté pour enlever les petits. Ah, c'est super. Elle est vraiment bien. Ouais. Alors, je vais essayer sur une feuille. Si je trouve une feuille, bien sûr. Voilà, je pense que. Hop. Voilà. Alors, on va arrondir. Alors, je mets ici. Ah ouais. Ah, nickel. Ah, elle est vraiment bien. Franchement, regardez ça. Nickel. Ah, je suis très contente. Et après, on a les petits bouts ici. Je crois que je sais pas, il y a quoi? Ah, franchement, nickel! Ah, j'adore! Il n'y a pas à enfoncer un pot juste comme ça, et voilà! Ah, franchement, super! Très contente! Ouais, très très contente! Et elle a l'air bien. Elle a l'air vraiment bien. Pas comme l'autre que j'avais avant. Franchement, très contente. Voilà pour la perforatrice. Voilà. Hop, je vais enlever ça. Voilà. Hop, on va remettre tout dedans. Et maintenant, on va passer au YEL. Alors. Voilà. Alors, je vais enlever, mettre de côté pour que vous avez quand même la surprise. Alors là, c'est une enveloppe avec les 4 cartes collectionnées du mois. Hein. Voilà. Alors. Bien sûr, je les ai pas. Hein. Voilà. C'est les 4 kits qui sont sortis. Voilà. Bien sûr, je vous fais lundi le plat with me. Ça y est, ça reprend. Et cette fois, c'est plat with me. Je l'ai fait sur ma tablette.
Ça sera plus sur mon planeur d'habitude que d'avant. Parce que quand je pars à l'étranger ou quoi que ce soit, au moins je vais pas me balader avec le planeur. Alors je préfère prendre ma tablette. C'est plus pratique que prendre le planeur. Voilà, alors j'ai mon planeur sur ma tablette. Et la vidéo, ça sera lundi, un plat with me. Voilà. Alors voilà les cartes. Après, on a la petite pochette avec toutes les infos dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, on a une grande carte avec les réseaux sociaux, la boutique. Tout sera en barre d'infos, hein, ou si vous voulez faire stop. Voilà, comme ça vous voyez. Voilà. Voilà. Après, j'ai une carte. Merci pour ta commande. Voici un code de 10% sur les stickers d'organisation. Yella Hadid. Après, on a une petite carte avec un petit mot. Merci pour ta commande, Émilie. Doux moment gaming, Lisa. Voilà. Et j'ai une carte. Cool, je suis contente. Ça m'en fait une de plus. Alors. Hop. Voilà. J'espère que je n'ai pas. Une semaine de souvenirs. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Alors, c'est là-dedans. Voilà. Alors, c'est 4-2022. C'est... Ah bah oui, je l'ai déjà. Elle est ici. Dommage. C'est pas grave, ça sera pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, par contre, je vais ranger les cartes qui sont ici. Ça sera fait. Alors, là, c'est le 3. Alors, là, c'est le 1. Et là, c'est le 2. Voilà, alors là c'est le 1-4. Voilà. Le 3-4. Voilà, là c'est le 2-4. Le 4-4. Et voilà. Oui, là, il me manque juste le mois de février parce que j'avais pas pris la box. Mais bon, c'est pas grave, je vais bien la retrouver, hein. Voilà. Hop, voilà. J'en ai quand même pas mal, ça me fait ma petite collection. Hein. Voilà pour les cartes à collectionner. Hop. Après, ça c'est fait. Hop, on va mettre ça de côté. La carte, je la mets là. Et j'ai pris des stickers. Alors c'est des stickers, oh là,
Je vais y arriver. Alors, j'ai pris des petites Game Boy. Voilà. Pour le jeu Disney. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Disney. Bon, je vous mets juste le nom ici parce que sinon je vais vous le dire mal. Et je préfère que vous sachiez vraiment ce que c'est le jeu. Alors Disney, alors à la Lisa a sorti des planches pour savoir où on en est avec les personnages du jeu. Alors dans le jeu, il y a Mickey, il y a Merlin, il y a Dingo, Picsou, Mimi, Minnie, pardon, Ursula, Ariel, Eric. Et puis là, il y a des petites cases. Et puis à côté, il y a des petits cœurs. Dans les petits cœurs, vous prenez et puis vous mettez. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10. C'est les trucs de pour amis. Voilà. Niveau 10. Alors le niveau 1, vous prenez un petit cœur. Et puis là, vous le mettez dans le 1, dans la première case. Ça dépend l'amitié où vous en êtes avec le personnage. Voilà. Après, on a Anna, Elsa, Naoui, Vania, Rémi, Walid E. Wadi, Buzz l'éclair. Voilà. On a Mergotel, Donald, Griff, je sais plus où. Voilà. Oscar, Stick, Olaf et Mirabelle. Voilà. Voilà pour les trucs de Disney. Alors, franchement, je suis très contente et comme ça, je vais pouvoir le faire. Voilà pour cette vidéo. Je vous mets bien sûr tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et puis, ben, on se retrouve lundi pour le Play With Me. Bisous!